Au lieu de la toile, j'utilise comme support du cuivre électrolytique qui est utilisé dans l'électronique pour les circuits imprimés. Je travaille donc avec l'encre de Chine et voilà mes pinceaux pour faire d'abord le dessin. Je dois faire d'abord mon dessin sur ces feuilles de cuivre et ensuite je détermine les couleurs en fonction de la chaleur. Et voici mes autres pinceaux, mes pinceaux du feu. J'en ai un tout petit pour les détails et j'en ai un tout grand pour faire les surfaces plus importantes. Bon, j'ai vécu pendant ma jeunesse, j'ai vécu pendant des années en Afrique et l'Afrique m'a impressionné évidemment beaucoup. Pour moi, l'Afrique est le continent du feu et c'est aussi le continent du sang. Alors vous trouvez dans ma peinture, vous trouvez d'une part le soleil, le feu, tout ce que représente l'Afrique. Et ce qui m'a impressionné également, c'est la magie que j'ai trouvée en Afrique. La magie des choses, la magie des gens, la magie des masques. Voilà, ici j'ai essayé d'exprimer en somme une forme de masque par le feu. C'est une transposition d'un masque africain sur le cuivre. Et je pense qu'il y a eu un sorcier qui a dû m'ensorceler avec ça, parce que quand je suis rentré en 60 à Luxembourg, par hasard, j'ai retrouvé le cuivre à Luxembourg dans une usine qui fabriquait du cuivre électrolytique. Et j'ai vu comment le feu, par hasard, était venu à ce cuivre et qui a modifié la structure de ce cuivre pour en faire des couleurs. J'étais ensorcelé par ça. Et j'en ai fait une technique. Et qu'est-ce que j'ai exprimé? Évidemment, j'ai exprimé mon aventure africaine. C'est comme ça que je suis venu au cuivre et j'ai exprimé l'Afrique, qui d'ailleurs pour moi, comme je l'ai dit, est le continent du feu, le continent du soleil, le continent du sang aussi, parce que tout se passe à travers le sang. Les gens deviennent adultes à travers le sang. Et le sang, il est rouge, comme mon cuivre, il est rouge. Et c'est tout ça m'a fasciné. Tout ça est quelque chose de magique. Et cette magie africaine, je pense que vous la retrouvez dans ma peinture. Donc plus que je pousse, plus que j'obtiens une couleur ocre. Et vous voyez là où je pousse moins, j'obtiens une couleur rougeâtre. Ces trois tableaux que j'ai faits sont également d'inspiration africaine. Quand vous passez par exemple en avion sur le désert, sur le Sahara, vous pouvez voir des paysages à peu près comme ça, ou comme ça. Mais ce qui m'a fasciné, évidemment, c'est le désert et aussi la forêt, comme par exemple les lianes. Vous trouvez les lianes dans mes tableaux, mais interprétées artistiquement. Donc ce n'est pas une liane que je peins. Mais c'est une transformation, c'est une inspiration que les lianes m'ont donnée pour obtenir ces tableaux-là. Milou de télé.